Et salut tout le monde, c'est Gap35 et on se retrouve donc pour l'épisode 15 de AC4 et on va continuer la quête principale, je pense. J'avais dit que en solo, enfin sans vidéo, que je filmerais pas quand j'irai chercher tout, donc j'ai tout trouvé. J'ai passé presque une heure à tout trouver, j'avoue que j'ai galéré, il y a des trucs, c'est pas possible. Bon, je sais pas si j'aurais dû filmer, je sais pas. Mettez-le dans les commentaires si vous voulez que je filme vraiment tout. Je sais que ça peut être lassant, mais bon, mettez. Je veux bien votre avis, quoi. Si je filme plutôt la quête principale et un petit peu l'annexe, ou tout le jeu en entier, ou un peu plus d'annexe, ou comme vous voulez. Moi, ça me dérange pas de faire l'annexe hors vidéo ou en vidéo, ça change absolument rien pour moi. De toute façon, je joue au jeu, donc. Wally. On continue donc. J'avais juste fait ça. Hein. J'avais juste. Et à lancer quelques flottes aussi. On m'a dit, Michael D, qui m'avait précisé sur le forum comment on faisait plusieurs trucs. J'aimerais bien savoir aussi comment on capture un navire. Je sais pas s'il me l'avait dit. Je me souviens plus. Il fallait que j'aille relire son message d'ailleurs. Merci à ceux qui me laissent des messages pour dire comment faut faire. Michael D qui m'en a laissé un sur le topic du forum. Dans Média. Et je l'avais lu. Il m'avait dit comment jeter les tonneaux. Il m'avait pas dit comment tirer au mortier aussi. Je sais plus comment tirer au mortier. Il y a sûrement quelqu'un qui a dû me le dire. Redites-le moi dans les commentaires. Ou comment capture un navire, comment tirer au mortier. Et voilà. Et est-ce que vous voulez. Si vous voulez plus de l'annexe, moins d'annexe, plus le principal et tout, que je fasse l'annexe un petit peu. Cap, capitaine. C'est une belle journée pour la Voilà. piraterie. Qu'est-ce que t'as en tête? Je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudits Anglais. Si on peut les détrousser, je vais pas m'en plaindre. Je croirais entendre un gallois, des. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Un Starkid a fait allusion à une prise qu'il meurt d'envie de me montrer vers Tolum. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Il faut qu'on aille où? Ici, sur la péninsule de Yucatan. Et il va partager avec nous? J'en sais rien. Mais ce kid a le chic pour me poser des problèmes de conscience. Je ferais mieux d'aller le voir sans tarder. Tant qu'on récolte notre moisson de prise en chemin, l'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Touloum. Hop, on va aller plus vite. Je sais plus, j'espère qu'il n'y a pas eu de rollback, qu'il n'y a pas eu de problème comme ça, normalement pas. Et on va tranquillement aller vers où on doit aller. Oula, ça a l'air d'être quoi ça? Un frégate. On va, tiens, j'ai envie de tester maintenant. Oh là là là, merde. J'aimerais bien. Comment. Z. Comment on tire au mortier là? Oh là là, il veut me niquer. Oh putain, c'est quoi ce navire de malade? C'est quoi ce navire de malade? Pourquoi j'ai que 6 barres? Oh, je vais me faire défoncer, j'aurais pas dû, mais quel con! On peut pas l'aborder là! Ah, ça y est, je crois. Non, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là! Qu'est-ce que je fais là là? Le gars qui fait trop de la merde! Et nous, putain, j'aurais jamais dû faire ça! Putain, ça fait trop mal. Ouais, s'il a combien? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la connerie. Je crois qu'on y va, on va fuir. Oh oh, j'entends le bruit. En fait, je pense que mon problème avec ce bateau, c'est que j'ai pas assez de vie. En train de m'éloigner de d'où je dois aller. Ça se trouve, je dois aller tout à l'autre bout de la map. J'ai juste regardé quand même. Okay. Lol, 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 lol. En fait, on va descendre au fur et à mesure. On va aller là-bas. Déplacement rapide. Ok. Malheureusement, je suis en combat. Ah, voilà. La musique s'est arrêtée. J'ai bien fait de regarder quand même. Putain, c'est loin. Hein. Pas aller là. Sacrifice Island. On va tranquillement aller là alors. Faudrait que je retourne faire un tour en assaut. Enfin,
Faudra que je fasse, je peux en faire des épisodes annexes. Honnêtement, je peux en faire 10 d'affilée avant que j'avance dans le scénario, même une vingtaine, je pense, de l'annexe. On peut toujours en faire, je pense. Non, mais je pense faudrait que je fasse un port en annexe. Voilà, bon, je fais beaucoup la mission principale, mais après, je ferai de l'annexe. Ou... Faudra que j'en fasse de toute manière. Donc, voili, voilou. C'est pas, j'ai envie de faire au pire, je fais un petit peu des deux dans chaque épisode, mais bon, on va pas avancer vite à ce rythme là. Je sais pas. Bon, on va voir. Est-ce qu'on peut prendre ça? Hop, voilà. Le capitaine est là-bas. Navigue en mer. Bon, au moins on va se rapprocher plus vite. Bah du là, du moment que je suis parti, je vais pas faire. Je vais pas faire de l'annexe. Là, je suis parti pour pas faire de l'annexe. Je pense que l'épisode prochain ou les deux prochains, on va faire un peu d'annexe. Ça dépend. Je vais regarder vos commentaires et je regarderai. Je regarderai. Ou même je ferai de l'annexe tout seul si vous voulez pas. Parce que faut, il me faut de la thune, il me faut de la thune, il me faut de rails. Pour améliorer le bateau, faut que je farme aussi comme un gros porc pour avoir de la coque là, pour avoir du bois. Il faut que j'améliore ma coque parce que j'ai 6 barres et c'est vraiment pas beaucoup. Une belle journée pour la piraterie. Qu'est-ce que t'as en tête? Je serai ravi de voiler dans les plumes de ces maudits anglais, et si on peut les détrousser, je vais pas m'en plaindre. Je croirais entendre un gallois, des... On va mettre le cap là-bas. Tac, en fait, on va passer près d'un fort. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça va être ça. Ouais. Comme deux contre un naval. Okay. On va pas tenter. Hein. Tout ce qu'il y a des trucs. Mais genre à 500 mètres, le truc qui me bloque. T'as les tirs en mortier et tout là. Ça, c'est le vraiment galère. Moi j'avais quoi? J'avais deux portes et la porte est deux là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, comment il tire ça? MG! Je fais que passer, ne vous inquiétez pas. Et merde! Je suis dans la zone. Oh oh! 450 mètres. Putain, je me prends des vagues scélérates et tout là. Oh là là. Il y a un requin. Attends, mon bateau il est à la limite de casser et tout, tu sais. Non mais il y avait... Oh, j'aurais pu me le faire... Ah attends, je vais aller me le faire quand même. Ça passe, ça passe pas, ça passe. Il y a un énorme requin là, je suis passé à côté. What, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie, mon gars. Eh ben... Il a bien fait de pas y aller. Ce fruit bien mûr attend de se faire cueillir, capitaine. Notre nourriture attend plus que le harpon. S, comment c'est harponnage? Ça faisait longtemps. Hein. On va passer ça. Ça va être un gros requin. Waouh, il le lance trop là. C'est ça les gars! Doucement les gars! Ça, il m'en reste 40. C'est une baleine quoi, lol. Moi, je veux un truc plus simple. Oh là là, je loupe tout. Joli coup, capitaine! Je l'ai mis. Oui, il va. Vous voyez quelque chose? Il va me rush par la gauche ou la droite. Attention, on part d'abord avant! Tenez-moi! Non! Putain, il m'a défoncé. Oh là. On peut pas lâcher sinon. Non, il a fui. À l'avant, à l'avant. Oh.
Putain, mais il est chaud, hein. What? Tenez bon. Ah, voilà. Eh ben. C'est ça, épuise-toi. Ah, ça part trop. Joli coup, capitaine. Ah, voilà. Ah voilà. Il a filé. Mais où t'es passé, sale démon? Putain, ils sont hard, hein, il est hard, hein, à faire, honnêtement. Putain, il peut m'arriver de là-bas et tout. Merde. Il approche par babon. On l'a eu, capitaine. Oh putain, je sais. On le tient. Touché. Voilà. Putain, il me reste 24. La bête est touchée. Il est libre. Eh non, il n'est pas libre. C'est bon. 20. Il va arriver par la droite, je parie. Il a eu 20. Il approche. Voilà. C'est bon, j'ai... Succès débloqué. Tueur d'orc. Putain, c'est un orc. C'est un vrai monstre. Oh, j'avoue. Oh, cette peste. Bien joué, capitaine. Une peau des polars. Je pense que ça va me servir, hein. Et j'espère... peu des polars, faudra que je... Merde, je suis pas en couille. Faudra que je vois ce que c'est une peau des polars. Je pense que ça peut être pas mal pour faire un autre truc de vie ou je sais pas quoi. Je pense que ça peut être pas mal. D'ailleurs, faudra que je farme et tout. Beaucoup de trucs, j'ai beaucoup de trucs à faire. En vidéo, bien sûr, que je ferai ça. Je pense que ça vous intéresse pas trop. Quoique... Dans les commentaires. C'est quoi ça, brique métal, voilà. Oh, ça peut être intéressant, ça, 83 métal. Ah, j'hésite, si du métal on a besoin en plus. On se dirige droit vers la terre, capitaine. J'ai envie de me le tenter. Oh putain, mais ça a de la vie ces conneries. Voilà des prêts de attention, il est explosé. Faut pas laisser passer le gâteau. On rush. Oh, ça va là. Quand je peux faire ça, souvent. C'est là qu'il est le plus vulnérable. Là, capitaine, c'est là qu'il rend visé. Hop. Cramponnez-vous. Merde, il va monter dedans. Oh là là. Merde, j'ai pas de tsunami quand j'ai attaqué en fait. Merde. Putain. Mon navire il regène pas aussi là. J'ai pas vu. Mais j'ai pas assez de vie. Putain, je suis bloqué parce que j'ai pas assez de vie. Faut vraiment que je ferme le bois. Il faut quoi pour améliorer la coque? Je devais. Et moi qui devais faire. Belle journée pour la pirate. Oh, j'ai duré pop à 3 km. Ah non. En fait, j'avais pop encore plus près. Je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudits anglais. Et si on peut les détrousser, je vais pas m'en plaindre. Je croirais entendre un galois, des... Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on a perdu l'équipage? Non. C'est tout au loin d'ici. La péninsule de Yucatan. Et il va partager avec nous? J'en sais rien. Mais ce kid a le chic pour me poser des problèmes de conscience. Allez, 400 mètres et on va faire la quête principale. Tant qu'on récolte notre moisson de prise en chemin, l'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Touloum. Rien n'est vrai. Séquence 4, ok, nickel. Il y a 13 séquences. Pas pour vous, Deg. On est au quart du jeu. On est à 20% et j'ai joué 8 heures. En gros, quand je serai à 100%, j'aurai joué 40 heures. Ça, c'est pour la principale, putain. Voilà. Vous savez tout. J'ai joué 8 heures. C'est 14, ouais, ça fait une demi-heure. Bon, ça charge bien ou bien. Yeah. C'est plus où aller.
Ah voilà, un petit coffre là, simple à prendre. 169, yes. Un petit coffre. Alors on est où? J'ai juste regardé un petit peu où on est. Ok. C'est quoi ça? Mer des Caraïbes. D'accord, d'accord. On a un point d'observation là-bas, un fragment. Tout va bien. Là, c'est quoi ça? Les gars, ils ont l'air d'être trop chauds. Hein. Yep, là. D'accord, donc on a un point là. Je vais me faire niquer par les gars ici. Vas-y, vas-y, monte. Merde, non, c'est bon, ça passe. Non! Ah, d'accord, on doit pas se faire détecter en plus. D'accord. Eh ben, là, ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Tu crois qu'on n'est pas détecté avec le bateau juste là? Non, c'est vrai qu'il y a des gars en haut et tout. Moi, personnellement, je le vois pas, le grand drapeau pirate. Après, c'est personnel, mais, enfin, je sais pas si vous le voyez. Lui, il est mort, lui, il a 2 mètres. Comment il peut pas me voir? On doit aller où, en fait? Merde, j'ai dit... Le mentor nous a donné consigne de nous préparer à tout. Ça y est, des meufs et tout, là. La meuf, comment elle fait pour pas me voir? Je sais pas. Et hop, on l'étouffe. Alors, on va regarder à droite. Assommer les assassins, piller les trésors des coffres. D'accord. En fait, le truc, c'est que je sais pas où aller. Is it a problem? Allez, on va la prendre par derrière. Là, j'ai besoin de la prendre. Voilà. C'est qu'on l'esprit mal placé. Mais non! Ah bah pourquoi il se bat pas là, il se laisse tuer. Oh là là. Enfin je sens que je vais être bloqué. Non. Oh là là, c'est beau, si je suis bloqué. Je trouve qu'il y a un truc qui part du mauvais côté. Je sais même pas où faut aller. Localiser James. Ah d'accord. En fait on doit faire V. Oh là là. Pour la vision d'aigle. D'accord, d'accord. Et bon, j'ai compris, on est où? Mistel Maya, point d'observation, coffre, mon anus, d'accord, ça va. Lui. Il est mort. Lui. Il est mort. Cache-toi. Mais non, mais. Quel con. Mais pourquoi? Tu le prends, tu le ramènes dans l'émission, tu le tues pas, je sais pas. Oh là là. Oh là 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 là. Je suis mauvais. Piller le trésor des coffres. En plus, faut piller les trésors des coffres. Il y a combien de coffres? 7. Ah, on a des alligators, des jaguars et des trucs bizarres à gauche. Je sais pas, c'est quoi les animaux. Aïe aïe aïe. Oui, c'est une façon aussi de d'appuyer sur une touche comme ça. Donc ne pas appuyer sur la touche F. Lancer couteau. Et ne tuer personne. J'ai bien envie de tenter de lancer un couteau. Bon, moi et mes idées, on va se calmer, mais... C'est une blague. Putain. Est-ce qu'il y a...
Ouais, on y va à la main, on y va avec les armes, on y va pas. Mais pourquoi faut tuer personne? Là, tu mets dans une mission. Là, je le tue pas quand je frappe à la main, je mets une grosse patate et... On va voir s'il tue. Cette fois, on essaie de... Ah d'accord, on les assomme. Excuse-moi. Le mentor nous a donné consigne de nous préparer à tout. Les Templiers savent sans doute où nous sommes. C'était un nommé Walpole, en anglais. Oui, il s'est joué de nous depuis le début. Coco. Il a trahi notre confiance. Nous n'aurions pas pu savoir, mais Matabai s'est laissé prendre. Comment on est censé passer? Et peut-être par là, peut-être par là. Ah oui, il y a l'esquine. Ça se tente là-bas. Ça, c'est... J'ai vu un navire passer par là, oh putain, oh c'est joué là. Matabai nous a demandé de rester vigilants. Cela fait près d'un an que l'étau des Templiers se resserre. En effet, mais les Templiers ne sont jamais discrets. Et pour le moment, je n'ai rien entendu. Mais non! C'est pas possible! Putain, ils sont deux, je pouvais pas en assommer un. Oh là là, c'est la première fois que je suis bloqué aussi longtemps, je crois. Vous devez rire, il doit avoir un passage tout con, tu sais. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je galère. Tac. Le mentor nous a donné consigne de nous préparer à tout. Les Templiers savent sans doute où nous sommes. C'est un nommé Walpole, pas un anglais. Oui. Mais une ligne derrière aussi, d'accord. Alors là-bas, je sais pas comment. Ah, faut faire la nage discrète peut-être. Je vois. Et est-ce qu'on peut l'assommer là-bas? C'est tendu. En fait, faut aller dans l'eau. Lui, déjà, on prend, on tue, enfin, on l'assomme. Merde, t'as rien vu. T'as rien vu. Viens. Viens dans l'émission. Ou casse-toi. Je vais rush dans l'eau. Voilà. Nous a demandé de rester vigilant. Cela fait près d'un an. Unix, mais comment c'est possible? Bon, fin de la vidéo. Au revoir. Putain, mais non, mais sérieusement, quoi. Oh là là, là 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 là. Ouais, là, si je fais le con là, hein. Y a personne qui me voit là. Voilà. Tac. De toute beauté, c'est de toute beauté ce que je viens de faire. J'aurais pas aimé de me prendre ça, honnêtement. Lui, on va le prendre par derrière. Tac, 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 tac. Boum, headshot, mon gars. En plus, j'ai bien fait de venir là. Un petit coffre gratuit. It's cool. Et voilà, c'était tout simplement là. Ok, t'en as un devant. Un là, un là. Et deux gugus là-bas. Ok, il y a moyen. J'ai vu un navire passer par là, près du rivage. Et il a disparu. Matabai nous a demandé de rester vigilants. Cela fait près d'un an que les coups sont attaqués. Ok. Voilà. J'en ai trouvé que deux coffres, mais... Ah non, c'est bon, ça continue.
c'est un point de sauvegarde en fait. Parce que il y a des il doit y avoir des personnes tellement mauvaises comme moi qui doivent pas y arriver du premier coup. Je suis concentré hein, si je parle pas. C'est, je regarde un petit peu partout qu'il n'y en a pas un qui vient me faire chier par derrière. Là ça passe ou pas? Merde, 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 merde. Ok, t'en as deux là-bas. Oh, c'est moi, c'est moi. Oh. Merde. Merde. La couleur d'avoir des demi-cartes reflète la situation. Putain, elle est super dure. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont le jeu et qui ont galéré autant que moi, mais. Il faut peut-être rusher comme un gros porc, comme ça, voilà, tac. Toi, je te claque. Toi, je te claque. Et tout simplement là on peut passer, on va juste attendre que le monsieur parte là-bas. Allez, voilà. Et on y va tranquillement. D'accord. C'était tout prévu. Je risque de me faire cramer. Juste après. Merde! Putain, non, j'étais trop bien passé et tout. Ah, zut. Faut que j'y arrive. Je terminerai que cette vidéo quand je serai passé. Pour moi, je suis passé. Non, 43 mètres. Tout là-haut, oh là là. La galère. Comment on siffle? Ah, comme ça. Merde. Oh là là, là 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 là. C'est trop dur pour moi. C'est au-delà de mes capacités. On va peut-être pas aller à l'envers. Ça risque. Ah si, c'est pourtant c'est sûr que ça. C'est obligé que ça soit pas là. D'accord. Ça passe, ça passe. Ah oui. C'est beau ça. Tac, 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 tac. Je sais pas du tout si c'est par là qu'il faut aller, mais. En fait, lui, on est obligé de le tuer. Ah, c'est compliqué. Allez, bouge-toi. Qu'est-ce qu'il vient faire sa ronde là, là? Non, y a rien. Je repars. Ah non, il y a l'autre. Putain, ça va être. Ah non, c'est bon. On peut y aller. Oh, la meuf, elle m'a regardé. Même pas. Merde, voilà. Tac. Mais c'est mes potes, je veux pas les tuer ou je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je peux pas les tuer comme ça là. Un coup d'épée, voilà. On se la joue en mode. Oh, je commence à rager. En plus, par des meufs, quoi, je me fais niquer. Non, j'ai pas envie de recommencer. Non, putain. Alors, faut attendre les moments là. Tac, tac, tac. Ça, c'est un putain de jeu de rageance, en fait. Allez.
Hop, la dame est partie. Tac, on passe. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Tout à fait. Merde. Et voilà, on se camoufle là-dedans. Toi, je t'ai tué. You'll die. Toi, je t'ai tué. You'll die. Et toi, je te rush dessus. Voilà. Pouah, ça fait mal, ça. Mais non! Mais comment ça se fait? La meuf est trop garde à travers de buissons. Et te vois. Bon, cette fois, on va prendre le temps. Est-ce que ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe? Pas. Ça passe pas. Putain, c'est l'épisode où j'aurais le moins avancé, je crois. Enfin, le peut-être pas le moins avancé, mais avancé le plus lentement. Hop, on attend 10 minutes. Je vous jure, hein, quand j'ai fini cet endroit, j'arrête le jeu, je lance dans 2 mois. Non, quand j'aurai fini cet endroit, déjà. Si je le finis déjà. Oh là là, putain, je me suis fait cramer par. Oh là 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 là. Je pleure. Et je suis qu'à 20% du jeu. Donc, faut pas me dire que. Je sais pas dans le scénario où je suis. Si quelqu'un a fait le scénario, je crois qu'il y a 13 séquences. Donc, je suis au quart du scénario. Au tiers du scénario, je dirais. Et je galère comme un grand pauvre. Il va pas venir lui. Oh. Allez. Tourne ta tête. Tac. Voilà. On attend. Trois on kidnappe. Voilà. Hop, mort. Toi, hop, mort. À elle là faut faire super attention parce qu'elle repère des yeux de lynx. Hop, voilà, toi t'es mort. Voilà. Et là on va où? On fait quoi? On va où? Je sais pas. Non, faut pas redescendre. Ah, non, 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 non. Faut pas se passer comme ça. Ah oui, c'est beau ça. En fait, là, je suis obligé de me faire cramer, quoi. Comment on est censé passer ça? Je peux faire le Yamakasi comme ça. Je le sens pas. Oh, il y a un beau truc en bas, là. Une belle bestiole. Je sais pas du tout. Si c'est ça qu'il faut faire. Hop, tu me vois plus. J'aime Assassin's Creed. Oh non! Non, j'aurais pu lui casser la gueule. Lui casser la gueule comme ça. Là. Voilà, j'ai mis des gros. Putain, comment on fait pour les tuer les deux là? Ah, je sais. J'aurais dû attendre qu'il était là-bas. Ah, quel con. Il n'y a pas beaucoup de points de sauvegarde en plus, je trouve. Putain, mais après, quand je suis là-bas, ça sert à quoi en fait d'aller là-bas? Ça sert à rien peut-être. Bon, on va essayer un autre moyen. Non, ok, je suis mort. Non, je suis pas cramé. Monte. Ouais, mais faut y aller, hein.
t'es marrant. Putain, j'étais pas camouflé quoi. Allez, on va l'attirer à lui. Et viens là, ouais, c'est. Putain, il est complètement sourd. Tac. Tac. Ça c'est fait. Oh là 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 là. C'est vrai que celle-là, elle voit, elle voit tout. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fait? C'est bon, je peux le tuer tranquillement, lui. Non! Et c'est pas possible! Comment je me fais détecter à 10 mètres? La corde, s'il vous plaît, la corde. Putain, je vois vraiment pas comment on peut faire, bordel. Comment on fait pour aller là-haut? On peut pas monter. On est obligé de passer par là. Honnêtement, là, si j'y arrive pas, là, je vois pas. Ah, la connerie, je la tire trois d'un coup, oui, c'est la bonne idée. Voilà, toi, t'es mort. Toi, t'es mort. J'avais envie de lui sauter dessus, mais peut-être pas trois d'un coup, vite fait, comme ça. Et toi, t'es mort. Attention à l'autre qui va revenir. Oh putain. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? T'as un problème toi? Voilà. T'apprendras. Y'a, il refout une couche par dessus. T'es. Tiens. Bon, attention à pas tomber. Oh là là. Oh là, ça c'est. Merde. Non, non, mais qu'est-ce qu'il fout à venir là? What? Oh, cette chance! Calmez. Voilà. Non. C'est quoi ça? Mais comment je fais pour passer moi? Vas-y go, go, c'est moi, c'est moi. Hop, hop. Tiens, hé. Merde. C'est lequel? Putain, maintenant faut le détecter. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Cours, mouais. Putain, il va venir. Il va venir me faire chier, le gars. Hop, on a rien vu. T'as par où faut aller, non? Des places de fougère en fougère. Ah, c'est lui. Yes! Yes! Tac, tac, tac. Il va pas nous tuer. Mon Dieu, Kid. Où est-ce que tu m'emmènes? Ces moines sont chargés de garder le trésor que tu m'as promis? J'ai trouvé trois coffres, merde. Ah, c'est qu'on touche au but. Je le sens. Capitaine Kenway. Où est l'assassin Duncan Walpole? Mort et enterré. Après avoir essayé de me tuer. Peu nous importe qu'il ait rendu l'âme. Mais c'est en son nom que tu as mené son ultime trahison. Pourquoi? M'enrichir, comme toujours. Ces paroles sont censées me consoler? Tu as causé la mort de nos frères et sœurs de la Havane. Il possède le sens, Mentor.
James me dit que tu as traité avec les Templiers de Cuba. As-tu vu celui qu'on appelle le Sage ? Aïe. Si tu revoyais son visage, saurais-tu le reconnaître ? Ouais, je crois. J'aimerais en être certain. Non, ne dis rien. Suis-moi. Il n'aurait pas pu venir en escorte, là. Il a perdu, perdu plus d'une demi-heure. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que... Honnêtement... voilà, hein, vous avez compris. Bon, bah, dans la prochaine... dans le prochain épisode... je crois qu'on va devoir continuer le scénario principal. Vu qu'on était quand même arrêté une séquence, j'aurais pu faire une petite pause. Mais bon, on va la faire. Hein. C'est juste que j'aurais faire de l'annexe pendant. Histoire sans rien me dire, kid. Je voulais juste. Qui était cette espèce de fou furieux là-bas? Je vais pas la suivre. Atabaï, un assassin. Mon mentor. Est-ce qu'on peut s'enfuir par derrière? Non. Bon, moi je vous laisse là. Dans le prochain épisode, bah, on continuera ça vu qu'on est on est bloqué ici. On est bloqué dans un trou, trop bizarre. Voilà. Alors, vous êtes tous merde, putain, mais j'aurais pas dû avancer. Moi, je vous laisse là. Allez, salut tout le monde et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!